Bonjour la cour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Et puis, avant de commencer la présentation de l'oracle d'aujourd'hui, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sous la vidéo du concours. Voilà, je m'attendais pas à autant en fait, j'avoue, mais tant mieux. C'est une très bonne surprise. À chaque fois, je me mets aux commentaires, je suis super contente. J'arrive à répondre à tout le monde et le lendemain, quand je me réveille, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, donc je réponds à nouveau. Mais ça me fait toujours autant plaisir de vous répondre, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est long, mais j'aime ça. Voilà, ça me fait plaisir. À côté de ça, je viens vous présenter. Oh, je suis pas réveillée ce matin. Il est presque 9h pourtant. Bref, alors, on y va et on va parler, tac tac, de cet oracle. Alors, c'est marqué tarot, mais c'est un oracle. Voilà. 53 cartes, vous allez voir. Donc, on va parler un petit peu de Jane Austen, qui était une romancière au 19e siècle. Alors, bon, j'espère que je ne me trompe pas. Si jamais je fais des erreurs, vous me le dites, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que j'avais plus ou moins étudié une de ses œuvres quand j'étais à l'école. Et c'était pas Orgueil et Préjugés, que j'ai lu bien après. C'était. Alors attendez, je l'ai noté quand même parce que. Voilà. C'était Raison et Sentiment. Voilà. Celui-là, je l'avais étudié à l'école et j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Voilà, l'ambiance qui tourne autour de cette romancière anglaise. J'aimais bien, voilà. On sentait bien le côté un peu. De l'époque, ce côté un petit peu, surtout c'était la vieille Angleterre où on retrouvait justement les familles, où il y avait un côté, une société très patriarcale par rapport à ça. Et justement, ce que j'avais lu de Jane Austen, c'est que c'était une personne qui voulait pas rentrer dans le moule, en fait. Voilà, c'était quelqu'un qui avait envie d'affirmer ses idées, de montrer ce qu'elle avait envie de faire, et puis même si ça rentrait pas dans la bonne société anglaise, elle fonçait, voilà, elle y allait. Et j'aime bien ce côté-là, voilà, ce côté un peu de l'époque, un peu rebelle, un peu je fais ce que je veux, j'ai pas envie qu'on me dirige, j'assume, voilà, j'assume mes passions, parce que c'est vrai que. Alors, moi, je connais que deux de ses livres. On a fait bien d'autres, et puis je crois qu'on a fait d'autres sous un autre pseudonyme. Mais Orgueil et Préjugés, je l'ai lu bien après. Et c'est vrai que Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment, ce sont deux histoires, moi, de ce que je me rappelle en tout cas, qui étaient vraiment basées. Ça se ressemblait en fait. On était vraiment. Voilà, c'était une famille, des enfants, et c'était surtout basé sur un petit peu la dépendance des femmes, voilà, qui se mariaient pour assurer le côté financier en fait. Voilà. Bon, voilà pour la petite histoire de cette romancière. Alors, moi, je cherche. Bon, je lance quand même un appel au cas où. Son tarot, enfin son tarot, c'est pas le sien, mais le tarot de Jane Austen, qui est introuvable, je vous mettrai l'image ici, enfin là, voilà, comme d'habitude, hein. Mais je sais qu'il est plus édité, qu'il est même épuisé. Je l'ai vu une fois sur eBay, je crois, à plus de 1000 euros. Bon, pas abusé non plus. Enfin bon, si jamais vous le voyez à un prix. Passer à un prix raisonnable, vous me prévenez, je serais contente. Alors parfois, vous me dites que vous ne savez pas comment me contacter pour diverses choses. Je vous ai mis mon numéro. Quand même pas, hein. Je vous aime bien, mais on va pas échanger nos numéros tout de suite.
Mais je vous ai mis mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on y va. Donc, le tarot, qu'est un oracle? Voilà. Alors, moi qui suis pas fan des boîtes, eh ben écoutez, celle-là, je l'ai gardée. Déjà parce qu'elle est solide, hein, elle s'ouvre comme ça. Mais je trouve qu'elle est belle. Elle a un beau style. Voilà. Donc je la garde et puis j'aime bien. On voit l'ombre de Jane Austen justement. Alors le livret, enfin c'est un grand livret. Bah écoutez, il est sympa, mais on n'apprend pas énormément de choses. Et en même temps, alors s'ils ont appelé ça tarot, c'est que vous allez voir, on retrouve quand même toutes les arcanes majeures. Et puis il y a quelques cartes qui me font penser aux mineurs. Voilà. Sinon, on est sur un jeu, ben, vous voyez, un jeu classique, en fait, vous allez voir avec les cœurs, les piques, etc. Donc, on est sur un jeu de cartes classique. Mais en même temps, bon, moi, je ne connais pas grand-chose avec les jeux de cartes classiques, mais je crois qu'on a valet, cavalier, reine, roi. Là, on n'a que valet. Je vous dis cavalier, attendez, je suis perdu. Dans les cartes classiques, on a le valet, le cavalier, roi, reine. Au contraire, reine, roi. Ça va être dur ce matin. Mais en fait, là, bon, on va faire court. Vous avez juste valet, reine, roi. Voilà. Enfin, bref. On y va. Alors, dos des cartes. Eh bien, écoutez-les comme ça. Alors, ils nous ont mis le petit écusson en droit en vert. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que là, on a toute l'écriture qui est dans un seul sens. Bon, moi, ça ne me gêne pas, parce que j'aime pas tirer les cartes à l'envers, mais pour ceux qui aiment ça, c'est un peu... Voilà. Avec ça va être un peu compliqué. Donc, c'est le dos. Alors, les cartes sont assez grandes, de la taille d'un oracle, voilà. Et j'aime bien aussi. Ah, voilà mon chat. Bah vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. Kéké. Voilà. Comme ça, on voit bien. C'est génial. Ah là là, je vais pas le contrarier parce que sinon, il est susceptible, lui. Pas trop le. Voilà. Bon, alors. Donc, j'étais en train de vous dire que je crois qu'il aime bien Jane Austen en fait. Là. Que ça avait la taille d'un oracle. Voilà, d'un oracle. Donc, carte assez grande. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont un peu texturées. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait, voilà, comme ces effets de vieux tableaux. Je sais pas si on voit bien, mais enfin bon, voilà. Elles sont légèrement arrondies, comme ça leur laisse quand même un petit côté carte ancienne. Parce que bon, les cartes anciennes, c'est vrai que souvent c'était droit. Suis désolée. Il a envie de participer à la vidéo, donc bon. Ah là là, il me déconcentre. Alors, je vous assure, il me déconcentre totalement de ce que je. Parce que je le regarde en même temps. Ah, je vais pas y arriver. Allez. Bon, c'est pas dans l'ordre. Voilà. Et puis, ben, on va commencer avec l'hiérophante. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, justement, c'est que dans le jeu, on va. Enfin, le jeu relate pas mal des œuvres de Jane Austen. Alors, on va passer d'un roman à un autre. Voilà, ça va pas être que sur elle, ça va être surtout sur les romans qu'elle a écrits. Et on va retrouver, ben, par moment, on va retrouver comme Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, etc. Voilà. Donc là, l'hiérophante, voilà, en sac de carreaux. Donc, alors, le 4 de carreaux.
Donc c'est la richesse matérielle, vous voyez, c'est bon, on s'en doute un petit peu quand on voit le dessin. Alors moi j'aime beaucoup hein, les illustrations, après c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde parce que déjà, ben, l'époque, il y a des gens qui n'aiment pas cette époque, hein, voilà. Et puis par contre, pour ceux qui sont assez sensibles à toute cette ambiance d'autrefois, ben, ce jeu est quand même assez sympa. Alors, ce n'est pas des photos, hein, vous avez remarqué, c'est des illustrations, mais je les trouve très romantiques en fait. Donc, 3 de carreau. Le 2 de carreau, là, on a l'as de carreau qui représente le monde. Le 3 de cœur, c'est la célébration. Le 2 de cœur, alors là on est avec la tempérance. Alors oui, j'ai écrit sur les cartes. Ben, des fois j'écris sur les cartes, voilà. 2 de cœur, ouais c'est ça, 2 de cœur, tempérance. Donc on est avec la modération. Je trouve ça sympa d'avoir montré des gâteaux justement pour ça. L'as de cœur, la créativité. La générosité avec le roi de carreau. Le 7 de trèfle, là on est dans les challenges. Alors, le 7... Donc là on a la tour. Alors on voit hein, le phare au loin. Le diable avec la tentation. Le 4 de trèfle. Le 3 de trèfle. Le 2 de trèfle, donc vous voyez, ça suit bah le jeu de cartes, voilà, classique. 10 de carreau. On a une carte joker dans ce jeu. Le 5 de cœur avec une petite citation, une petite inscription. Donc là, c'est sur la déception. Le 4 de cœur. La contemplation. Le 10 de trèfle, là c'est le fait d'étudier dur, de travailler dur. On est avec le soleil. Voilà. Le 8 de trèfle. Suis désolé, mon chat, maintenant encore, qui veut mieux. Alors attendez, j'arrive tout de suite. Cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens. Je suis désolée. Le pire, c'est que dans 2 secondes, il va miauler pour entrer. Ah là là. Allez, faites des chats. Dix de pique avec le jugement. Le 9 de pique. La justice. Donc, bon, bah voilà, très bien vu. 8, 8 de pique. D'avoir mis la balance. Donc, on n'a pas l'épée, mais voilà, on voit bien. Hein. Le chariot, c'est pareil, 7 de pique. La transition avec le 6 de pique. La trahison avec le 5 de pique. Bon, quand on voit les 5 arriver, en général, c'est pas bon. La reine de carreau. L'étoile avec alors c'est le valet hein, je pense le valet de carreau, enfin moi je m'en sers comme ça. L'ermite 9 de carreau, donc là on le reconnaît bien, l'ermite avec sa lanterne. Le 8 de carreau, le 7 de carreau, bah c'est quand même plus ou moins en ordre. 6 de carreau avec le partage. La lune, allez, en 8 de cœur. En parlant de la lune, c'était la pleine lune hier. Ouais. Ah voilà. 7 de cœur. Alors moi, le 7 de cœur me fait penser au 7 de coupe. Voilà. Du tarot. Les amoureux avec le 6 de cœur. Le magicien qui est représenté par le roi de trèfle. L'impératrice en reine de trèfle.
Valet de trèfle, le roi de pique, donc c'est l'empereur, donc voilà, l'autorité, etc. La reine de pique, donc la reine de pique, c'est la perception, donc je pense que c'est la reine de d'épée. Je vous dis, je ne m'y connais pas vraiment bien avec les reines, enfin les piques, les machins, tout ça, mais voilà. Le valet de pique. Le 4 de pique qui représente la mort. Le 3 de pique. Le pendu en 2 de pique. Voilà, donc ben, le pendu, c'est aussi un temps de pause. Donc c'est un peu ce qu'elle fait, hein, en train de bouquiner avec ses animaux. Voilà, c'est un peu le repos, entre autres. Hein. L'as de pique, avec la clarté. Le roi de cœur, donc c'est le contrôle émotionnel. La reine de cœur, j'aime bien celle-là. C'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est le mystère. Et justement, bah, c'est la seule qui est tournée comme ça. Donc, on ne sait pas trop. Elle est de dos. On ne sait pas trop ce qu'elle pense. On ne sait pas trop à qui on a affaire. Le valet de cœur, avec le charme. J'aime bien aussi celle-là. C'est en 10 de cœur, c'est la roue de fortune. Enfin, ça représente la roue de fortune. Le 9 de cœur. Et ben, la force. J'aime beaucoup aussi cette carte en as de trèfle. Voilà. Et je voulais vous dire justement que sur ces cartes, il y en a, c'est marrant parce que. Alors, je sais que c'est un jeu qui va pas parler à tout le monde parce que c'est pas des illustrations qui sautent aux yeux avec des scènes bien précises. Ça va être plus, voilà, c'est plus des tableaux, des peintures, du dessin. Bon, il y a un petit côté Lenormand quand même quelque part, je trouve. Ben, ça, je pense que c'est dû à l'époque. Et puis moi, il y a des cartes comme ben, celle-là, le 8 de trèfle, et puis il y en a un autre aussi. Ben, toutes ces cartes où on voit pas en fait grand-chose, où ça va plutôt être des arabesques, des mouvements. J'en avais une autre aussi. Où est-elle? Bon, ben, je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Pourtant, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Par exemple, ces cartes-là, c'est bizarre, mais elles me font penser au Triomphi de la Luna, justement, mais version Marseille, où on a comme ça des mouvements, des plantes, des arabesques autour des plantes, des fleurs, et je trouve qu'il y a ce petit côté un petit peu, voilà. Qui rejoint ce tarot. Donc c'est assez sympa. Bon, moi, j'avoue que je l'ai plus pris pour son auteur. Enfin, pour son auteur. Attendez. C'est pas l'auteur. Jane Austen n'est pas l'auteur des cartes. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, l'auteur, c'est qui? Attendez. L'auteur, c'est Jackie. Jackie, comment? À clé. Voilà. Cette vidéo part dans tous les sens, mais bon, je sais que vous me connaissez maintenant, vous arrivez à recoller les choses et remettre tout dans l'ordre. C'est ça qui est génial avec vous, c'est que même quand ça part à droite, ça part à gauche, vous êtes toujours bien centré et vous arrivez à récupérer les infos. Rien que pour ça, je vous aime. Pas que pour ça, mais. Voilà, donc bah, c'est vrai que c'est pas un jeu qui va parler à tout le monde, c'est un jeu qui va parler surtout aux personnes qui sont sensibles à cette époque, qui sont sensibles à cette romancière, voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. Du coup, c'est vrai que, bon, bah moi je trouve les dessins très beaux. Alors,
Bon, peut-être que vous allez dire c'est un peu dommage d'avoir écrit sur les cartes, mais en fait j'ai écrit sur les bordures, hein. J'ai pas écrit à l'intérieur des cartes. Mais moi ça me gêne pas, voilà. Il y a certains trucs comme ça me gêne pas. C'est une complicité en fait entre le jeu et moi, puis ça instaure un petit truc en plus. Donc ça fait quand même pas mal de cartes. Les cartes sont vraiment de bonne qualité. Et puis je vous dis, elles sont carrément texturées, donc c'est assez sympa au toucher. On est sur un truc un peu. Ouais, comme un tableau, voilà. Voilà, mes amis. Donc, bah, je voulais vous le présenter parce que c'est quand même un jeu que j'aime bien. Et il avait sa place sur la chaîne. Il avait sa place à la cour. Voilà. Bon. Sur ces bonnes paroles, mes amis, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien, profitez de votre week-end, un long week-end encore. Ah, j'adore le mois de mai, moi. Hein. Donc, génial. Hein. Bah, attention, je sais qu'il y a des gens qui travaillent aussi le week-end. Hein. Bah, je vous fais des bisous quand même, et bisous à ceux qui sont en week-end. Voilà, bon, j'allais me recoucher, moi, je suis crevé. Bisous. À bientôt, les amis.